En 1954, la Coupe du Monde a lieu en Suisse. En finale, l'Allemagne de l'Ouest bat la Hongrie 3-2 au Wankdorf. C'est le miracle de Berne. Un miracle qui est peut-être né à Spitz. On s'explique. Cette année-là, l'entraîneur de Young Boys, Albert Singh, est entraîneur assistant de l'équipe nationale ouest-allemande. Et il a de la famille à Spitz qui tient l'hôtel Belvedere. Il a demandé à ses parents d'héberger l'Allemagne dans leur hôtel et ceux-ci, après avoir longuement hésité, acceptent. Les Allemands sont totalement coupés du monde à partir de la fin du mois de mai 1954. Les journalistes, les amis, les épouses des joueurs, personne n'est autorisé à pénétrer dans l'hôtel. Totalement protégés du monde, les joueurs vivent en communauté pendant un mois jusqu'au triomphe final. Se couper du monde pour remporter la Coupe du Monde, fallait y penser, non ?